C'est une question en français? Oui, mais il faut la traduire. Donc. Oui. Kære Michel Elvæk, er de solidarisk med de gule veste? Tak for svaret, og tak for bogen Serotonin. Jeg har læst bogen to gange. Vous avez lu, vous êtes... Oui, oui j'avais remarqué... Enfin, la réponse est oui, en fait. Mais disons que j'avais remarqué, à un moment donné, que je connaissais de moins en moins les perdants, en fait. Parce que moi-même, j'avais eu du succès, donc j'avais changé de milieu. Et je me suis dit que c'était un problème, à un moment donné. Donc j'ai essayé de me rapprocher d'un, pour sérotonine, donc d'un milieu... leur situation est encore pire que celle des Gilets jaunes, en fait. Les agriculteurs en France, c'est une catastrophe. Et il se trouvait que c'est un milieu, parce que j'avais fait des études d'ingénieur agronome, dont je pouvais comprendre la situation plus facilement, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un point commun entre les Gilets jaunes et la situation des agriculteurs français qui est dramatique, quoi. Parce qu'en général, ils travaillent et ils perdent de l'argent en travaillant. Enfin, ils s'appauvrissent en travaillant. Ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Le fait est qu'il y a une séparation géographique entre deux France, quoi, de plus en plus nette. C'est assez impressionnant, hein. Enfin, oui. Donc voilà, c'est difficile de dire que je suis solidaire, puisque j'appartiens à la France qui gagne. Mais je suis originaire de la France qui perd, en fait. Voilà, c'est... Oui. Yeah. Je pose une autre question. Oui, je pense qu'il faut traduire, oui. Oui, une question en anglais. En anglais. Det er et spørgsmål, der handler om research, fordi han, der står her, deres romaner viser altid sådan meget grundig kendskab til det miljø, hvor de foregår. For eksempel elementarpartikler med en skildring af et videnskabeligt miljø, og det forudsætter et stort research-arbejde. Hvordan researcher de? Hvor lang tid kan det tage? Det er faktisk det ene spørgsmål. Så er der spørgsmål to. Hvilken fransk forfatter i dag har de en vis beundring for? Hvem kan de lide at læse og hvorfor? Il y a en fait deux questions. Il y a aussi la question de s'il y a un auteur pour lequel vous avez un certain estime. Mais prenons la recherche d'abord. Bon, les particules élémentaires, j'ai quand même fait beaucoup plus d'efforts que pour mes autres livres. Hein. Parce que là, il est vrai que la mécanique quantique est presque très difficile à comprendre, quoi. Donc, comme j'avais un peu fait des études scientifiques, j'ai réussi, mais ça m'a demandé beaucoup de difficultés, oui. La première fois que je suis venu au Danemark, d'ailleurs, la première chose que j'ai faite, je ne sais plus qui a pris cette initiative, de m'emmener sur la tombe de Niels Bohr. C'est vrai, c'était émouvant. Mmh. Niels Bohr était un de mes grands hommes. Comparativement... Sérotonine, c'était beaucoup plus simple, enfin, comme documentation. Le monde agricole, je connais. Enfin, je sais ce que c'est, l'agriculture, quoi. Donc, ça ne m'a pas demandé un effort intellectuel. Non, les particules élémentaires étaient le maximum de mon effort intellectuel, oui. Mm. Sinon, la deuxième question, en fait, j'aime bien Emmanuel Carrère. On s'aime bien réciproquement. C'est quand même le premier que je citerai. Sinon, je reçois beaucoup de livres, et en fait, la littérature française se porte assez bien. Je reçois de bons livres parmi les jeunes, mais je suppose qu'ils ne sont pas traduits, là, donc je vais pas tout... Il y en a pas mal, en plus, donc je ne vais pas tous les citer. Ça, c'est intéressant. Yeah. Det er også skrevet på fransk. Det er en svensk digter, der skriver her. Kære kollega, jeg ville gerne
bede dem om at kommentere Agathe Novak Le Chevalier, som har skrevet et essay, som hedder om Houellebecq, L'art de la consolation, altså kunsten at, at trøste, trøstens kunst. Hun har skrevet, Michel Houellebecq er først og fremmest digter. Og så spørger denne svenske digter, hvad er forholdet mellem digteren, altså lyrikeren og prosa-skribenten? Er de komplementerer de hinanden? Er de konkurrenter eller hvad? Altså forholdet mellem at skrive lyrik og prosa. Il est vrai que la poésie et la prose semblent faites de deux matières différentes. Ils sont extrêmement difficiles à mélanger dans le même livre. C'est pour des raisons que je... qui me paraissent pratiquement philosophiques. C'est-à-dire le jeu de la poésie n'est pas un jeu d'êtres qui entrent en relation avec d'autres êtres. Enfin, c'est un jeu universel. Un jeu qui perçoit. Et donc, comme j'ai commencé par écrire des poèmes, ça m'ennuyait de ne pas pouvoir en mettre dans des romans, quand l'idée m'a pris d'écrire des romans. Donc, j'ai essayé. Je pense que j'ai échoué dans les parties élémentaires. Par contre, j'ai réussi dans Bousfier du Nil, mais en employant une méthode différente, où la prose, dans la troisième partie, finit par s'abîmer, en quelque sorte, et se fondre dans de la poésie, quoi. Mais si vous voulez, bon, j'ai... Mais tout, enfin, la fin de mes livres en général a tendance à être poétique. La fin, c'est... Il y a un type qui avait écrit une assez jolie phrase sur la fin de mes livres. Il avait appelé ça enfin, la walking ghost phase. Et c'est vrai que j'ai souvent une walking ghost phase à la fin de mes livres. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'enjeu. Que toutes les questions qui pouvaient se poser dans le livre ont été résolues d'une manière ou d'une autre. Que personne n'a plus rien à attendre, en fait. Il n'y a plus d'enjeu. Et... Et donc, il demeure quelque chose, mais ce qui s'apparente à une perception pure. Il y a des... Il y en a une petite, là. Petit en danois. Ja. Hvorfor flyttede du fra Frankrig til Irland? Pourquoi, à l'époque, aviez-vous déménagé, quitté la France pour vous installer en Irlande? Oh, pour trois raisons. Hein. Une, pour payer un peu moins d'impôts. Deux, parce que j'ambitionnais d'apprendre à parler anglais. Et trois, parce que c'est mon genre de paysage, hein, l'Irlande. C'est exactement ce que j'aime comme paysage. Quoi. J'aime bien les climats hyper-océaniques. Et de ce point de vue-là, c'est beau. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, je pense. Enfin, Et bon, je suis rentré parce que, ben, au bout de 10 ans, le même paysage, ça allait, quoi. C'était suffisant. Et puis parce que j'en avais assez de parler anglais, surtout. Continue. Siddhartha Sébastien, un suédois. Ouais, c'est un drôle de nom. C'est en anglais, français? Oui, c'est en anglais. Ouais. Der står her, hvor meget af tiden, eller hvor meget af skrivetiden, bruger de på at se ud i tomheden? Det er spørgsmål 1.
Og ser de dem selv som en succes eller en fiasko? Deux questions encore. Oui. Ouais. Bon, la première question, là, c'est, la réponse est assez simple, en fait. Hein. Disons que je regarde un mur, de toute façon, quand j'écris, un mur blanc, jamais le monde extérieur. Mais ce n'est pas toujours un espace vide. Assez souvent, je mets des photos, je colle au mur des photos d'endroits où se passent les scènes de mon livre. Bon, la deuxième raison, franchement, je ne sais pas. Mm. Ouais. Og det andet spørgsmål question, je... er umuligt at svare på. Og det er på engelsk. Fortæl mig om deres sindstilstand, når de skriver. Ben, disons que ça provoque une espèce d'afflux de pensées qui tourne, et c'est vrai que ça devient pénible au bout d'un certain temps. C'est pas exactement une souffrance, hein, c'est comme quand on a un truc, une chose qu'on n'arrive pas à sortir de la tête, quoi. Et donc, il faut... Donc, on atteint un état de très forte tension nerveuse au bout de quelques heures. Là, il faut arrêter parce qu'il y a trop de tension, on n'arrive plus à produire quoi que ce soit. Et donc, il faut trouver un moyen de se calmer, en fait. Pas évident. En science, il y a des gens qui écrivent dans la salle... Il y a un truc dont on mentionne souvent, c'est l'angoisse de la page blanche. Moi, j'ai une méthode qui consiste à essayer de reprendre ce que j'ai déjà écrit. Et finalement, il y a toujours des trucs à améliorer. Donc on se met à écrire comme ça, juste en améliorant ce qu'on a déjà fait. Quoi. Det næste er også på dansk. Qu'avez-vous appris quand vous étiez dans l'informatique à l'Assemblée nationale? Appris? Oui. Bah écoutez, bon, quand un ordinateur tombe en panne, c'est comme une télé ou n'importe quel appareil ménager. Vous l'éteignez, vous le rallumez, en général, ça marche. Il ne faut pas le dire aussi rapidement à l'utilisateur de l'ordinateur. Mais man må ikke sige det til brugerne. Ikke så hurtigt. Parce que quand vous arrivez, que l'utilisateur, son ordinateur est en panne, il se sent toujours coupable. Il a toujours l'impression qu'il a fait une erreur. Donc il faut le conforter dans ses sensations. Donc vous essayez de faire des trucs un peu bidons, qui n'aboutissent à rien. Au bout d'un certain temps, vous dites, eh bien, écoutez, il va falloir éteindre et rallumer. Voilà, précisément, c'est ça, être... voilà. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez censuré vous-même en écrivant, ayant le désir d'écrire quelque chose de spécifique, mais n'osant pas l'écrire à peur des réactions? Par peur des réactions. J'avoue que oui. Ce n'est pas bien, mais je l'ai. Oui, sûrement, ça m'est arrivé. Oui. Désolé, hein, je suis. Oui. Le problème, c'est que ça. Par contre, je dois signaler pour l'honneur des éditeurs français qu'on l'a jamais fait pour moi, sauf une toute petite fois. Oui. Vous ne voulez pas dire plus là-dessus, non? Non, parce que c'était pas du tout un truc choquant. Général, c'était un type puissant en France, mais qui est probablement inconnu au Danemark, donc ça n'a aucun intérêt. Og det næste er også på engelsk.
hvordan var de, da de var dreng? Tak, jeg elsker dem. J'essayais de... J'essayais de faire comme si j'étais normal et que je partageais les sources d'intérêt et d'amusement de mes camarades, quoi. Et je réussissais assez bien. Enfin, ça s'est beaucoup arrangé. Beaucoup arrangé à l'adolescence, je dirais. Parce que les principales sources d'intérêt, c'était l'autre sexe, et puis le rock, qui était très important quand j'étais jeune. Et là, je ne faisais pas semblant, je partageais vraiment cet intérêt, quoi. Mais j'ai souvent avoir eu l'impression de jouer un rôle, quand même, pour mieux m'intégrer dans ma classe, quoi. Oui. Mais je pense qu'il est... on était... à l'époque, enfin, en France, enfin, surtout que j'étais plutôt d'un milieu pauvre, on était beaucoup plus... tolérants. Enfin, les parents s'inquiétaient beaucoup moins facilement, quoi. Bon, je me souviens une fois d'avoir surpris une voisine qui disait à ma grand-mère « Il n'est pas normal, ce garçon », parce que je parlais tout seul énormément. Et elle même a défendu « Mais si, il est tout à fait normal, qu'est-ce que vous faites chier ?» etc. Donc, on pouvait être assez bizarre sans avoir forcément trop... sans être tout de suite mis entre les mains d'un psychologue, quoi. C'est ça que je veux dire, oui. Mais... On m'a raconté aussi, à plusieurs reprises, j'ai disparu. C'est-à-dire une nuit entière. Bon, ben, je sais pas, on n'a pas appelé la police, quoi. Et je suis revenu le matin. C'était à quel âge ? Oh, vers 8-10 ans, ce genre-là, oui. Avant le lycée, vers 8-10 ans. Oui. Oui. Somme au 10 ans, qu'est-ce que vous faisiez toute la nuit ? Je ne sais plus du tout. Non. Ouais. Je ne sais plus du tout. Mais je me souviens bon, d'avoir eu un peu peur quand même en rentrant. Parce qu'on a dit, ils ont dû s'inquiéter, mais je ne sais plus ce que je faisais au juste. Ouais. Je me promenais, quoi. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est du Norvégien. Oui. Oui. Vous avez tout à fait raison. Oui. Oui, ouais, très doué. Det er et spørgsmål på norsk. Donc, vous paraissez complètement sans crainte dans vos livres. Votre écriture semble tout à fait libre et vous ne vous laissez pas lier ou enchaîner par des forces extérieures. Comment réussissez-vous à écrire ainsi? Et quels écarts, quelles limitations, quelles restrictions sont en vous? Bon, déjà j'ai répondu que ce n'était pas totalement vrai, puisqu'il m'était arrivé de me censurer, c'est vrai. Mais il est vrai, ça m'est très peu arrivé. Il y a une méthode très simple qui consiste à se persuader soi-même qu'on va mourir avant la sortie du livre, donc qu'on n'aura pas à en subir les conséquences. Et alors ça paraît absurde, mais ça marche. On arrive toujours, parce qu'on sait bien qu'on va mourir, donc on arrive à s'en persuader. Et puis, quand on écrit, le livre ne va pas sortir tout de suite. Et puis, quand on se met à relire les épreuves, il est déjà, en quelque sorte, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, voilà. Mais il faut se persuader, d'une manière ou d'une autre, qu'on n'aura pas à suivre les conséquences de ce qu'on a fait. Et le mieux, c'est quand même de se dire qu'on va mourir avant la sortie, quoi. À quel point y a-t-il des éléments autobiographiques dans vos romans, étant donné que le caractère principal ou les caractères principaux se ressemblent un peu, ou même tout, dans vos romans? Et dans ce cas-là, est-ce que l'inspiration pour ce cynisme prononcé est trouvé en vous-même? Oui. Bon, d'abord, je ne me trouve pas cynique du tout. Je pense que c'est faux.
Sinon, la question de l'autobiographie, il n'y a pas de règle très fiable, hein, mais il y a quand même des tendances. Je dirais que plus un personnage est important en nombre de pages, moins il est autobiographique. C'est-à-dire qu'on arrive plus ou moins à avoir de l'autobiographie directe dans un petit personnage, mais dès que le personnage devient très important, il se met à y avoir soit une part d'invention, soit beaucoup aussi on se met à mélanger des gens. Deux ou trois, hein, pas tellement plus, mais pour en faire un seul, quoi. Donc, elle est... Mais j'ai remarqué aussi que les gens ont toujours tendance à surévaluer l'autobiographie, surévaluer la part d'autobiographie, tous. C'est toujours moins que ce qu'on croit, en fait. Mais bon, je comprends que ça intrigue les gens, hein, parce que c'est ça qui intrigue chez les écrivains surtout, c'est comment ils font des personnages, des événements. Mais assez souvent, par exemple, j'ai employé... C'est même pas une méthode, mais j'ai repris un événement réel de ma vie et je me suis demandé qu'est-ce qui serait passé dans ma vie si j'avais pris la décision opposée. C'est souvent ça, en fait. C'est un peu le... On prend le contraire, quoi. Alors, celle-là est très longue. Oui, et en danois. Ma copine et moi avons discuté vos méthodes de recherche. Oui. Dans les particules élémentaires, il y a une description de Bruno visitant la plage naturiste Cap d'Agde. C'est vrai. Et il décrit de manière très détaillée les usages, les coutumes des gens qui fréquentent cette plage. Ma copine pense que vous avez fait de très bonnes recherches sur l'Internet. Tandis que moi, je suis persuadé qu'une connaissance si approfondie des usages et coutumes de cette plage-là ne peut venir que d'expériences de première main. Veuillez dévoiler vos procédés pour nous, s'il vous plaît. Alors, votre copine doit considérer que les particules élémentaires est sorti en 1998. Donc, il a été écrit vers 1996. Et essayez de vous souvenir de ce qu'était Internet en 1996. Hein ? Bon. Je vais répondre un peu plus précisément. Dans une boîte échangiste, le plus efficace n'est pas forcément d'être très actif sur le plan échangiste, c'est d'aller au bar et d'écouter les gens raconter leurs expériences. Mmh. Oui. Un bar, un club de ce... Parce qu'il y a un bar. Il y a un bar. Il y a une partie bar, une partie coin câlin, etc. Mmh. Mais il faut aller au bar, écouter les gens parler et parler avec eux. Ouais. Et j'ajouterais que ma grande chance, comme écrivain, c'est que je donne l'impression d'être non-judgmental, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire les gens sont persuadés qu'ils peuvent me raconter leur vie tout à fait comme ça et que je ne porterai pas de jugement, que je vais les écouter. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, donc, quoi. Ah oui, ça va être plus facile, oui. Ah! J'ai juste expliqué que Céline était venue au Danemark en 1945 et qu'il est resté plusieurs années au Danemark. Mais quelle est votre relation avec Céline ? Pas excellente. J'aime bien le voyage au bout de la nuit. Et je trouve que peu à peu, ça devient de plus en plus formaliste. Il se regarde écrire, quoi. Enfin, c'est... Et sur la fin, c'est vraiment du formalisme creux. Je suis désolé. Y a autre chose qui est assez agréable, désagréable à dire sur Céline, c'est que ses pamphlets antisémites sont pas mal du tout. Il était, à mon avis, plus doué dans le genre pamphlet que dans le genre roman, quoi.
Bon, ceci dit, je suis plutôt... globalement, c'est quand même, y a des choses, et je suis plutôt content que le Danemark l'ait empêché de se faire tuer. Hein. J'en suis plutôt reconnaissant au Danemark. Mais c'est pas ce que c'est pas pour moi, comme pour tellement de Français, le sommet de la littérature française du XXe siècle. Enfin, non. Je préfère largement Proust, quoi. Enfin, bon, par exemple, enfin, entre autres. Voilà, on peut répondre à tout ça, oui. Là, il y a trois questions. Je les traduis une à la fois. Et oui, je réponds, oui, je vais répondre une à la fois, parce que ça n'a rien à voir. Hvis verden skulle have en fælles regering, hvem skulle være lederen, og hvorfor? En fait, je pense pas que ce soit une bonne idée de créer un gouvernement mondial. Je suis contre l'Europe, hein, je l'ai déjà dit. Parce que déjà, l'Europe, ça, c'est trop grand et trop varié pour arriver à être démocratique. Quoi. Je suis un admirateur du système politique suisse. Donc, je ne suis pas du tout en faveur d'un gouvernement mondial. Vraiment pas. Il faut des choses plus petites pour qu'elles puissent être démocratiques. Quoi. Deuxième question. Bon. Ja, hvilken sport holder de af at se, og hvorfor? Bon, là, ça va être terriblement banal, mais je trouve que quand même les matchs de Coupe du Monde de football, c'est ce qu'il y a de mieux. Verdensmesterskaberne i fodbold. Et le Danemark était vraiment très, très agréable à voir jouer à un moment donné. C'était vraiment une espèce de triomphe de la raison, quoi. L'équipe de danoise. Non, c'est vrai, sincèrement, vous avez vraiment eu une très bonne équipe. Oui. L'écrivain le plus sous-estimé. Là, il y en a beaucoup. Hein. En France, il y a un auteur qui est vraiment injustement oublié, à mon avis, c'est Mauriac. Je dis ça parce que Mauriac a été connu, considéré, qu'on l'a oublié, alors que c'est vraiment pas mal, Mauriac. Hein. C'est du... Sinon, il y a un genre dont j'étais très lecteur quand j'étais adolescent, qui était la science-fiction, et qui a complètement disparu à l'heure actuelle, et les auteurs sont oubliés. Et il y a de très très bonnes choses. Moi, si j'avais plusieurs vies, j'en consacrerais une à diriger une collection, chez un éditeur quelconque, pour republier quelques livres de science-fiction extraordinaires. Là, je pourrais en citer beaucoup. Hein. Par ailleurs, en France, le théâtre classique français est underrated. Je veux dire que Corneille et Racine, c'est pas mal du tout. Et c'est plus tellement monté, quoi, même au théâtre. C'est-à-dire, on a considéré que Shakespeare était tellement supérieur, mais en fait, Corneille et Racine sont underrated à l'heure actuelle en France. Bon, mais là, ça me passionne comme genre de sujet, mais ça pourrait être beaucoup trop long, donc on va s'arrêter là, oui. Mais j'ajoute que ce genre de truc n'est pas forcément définitif. Hein. Par exemple, j'ai passé à peu près 10 ans de ma vie à dire à tout le monde « il faut lire Schopenhauer », qui était inconnu à l'époque. Et finalement, maintenant, c'est lu en France. Enfin, les gens savent qui c'est, quoi. Oui. Alors là, je ne sais pas. J'ai ouï dire que vous êtes un ami de Iggy Pop et que vous avez écrit des textes pour un de ses disques. Pouvez-vous raconter de votre amitié ? C'est pas tout à fait ça. Il a fait un truc qui est assez bizarre, qui s'est pas tellement fait, et c'est-à-dire un disque qui s'appelle Préliminaire, qui est inspiré de la possibilité du Nil, en fait. Et dans lequel, alors, si, il y a un texte qui reprend tel quel, c'est la mort du chien. Mais sinon, les chansons ne reprennent pas vraiment le texte, mais évoquent des situations du livre. Et ça, de manière très... On comprend très bien, quoi, quand on a lu le livre. Et c'est... Voilà, c'est ça, surtout. Mais c'est une tentative très originale. Hein. C'est pas unique, le concept album à partir d'un livre. Pink Floyd l'a fait à partir d'Animals Form d'Orwell.
Et j'étais très content, ça m'a fait très plaisir, parce que c'est un des... Ouais, j'ai dit que c'était le deuxième disque que j'ai acheté dans ma vie, c'était un disque d'Iggy Pop, donc je le connaissais déjà quand j'avais 15 ans, quoi. Donc j'étais évidemment très content. Dire ami, vu que je ne vais jamais aux États-Unis, c'est un peu aller loin, quand même. Enfin, il vient en France de temps en temps, quand même. Il préfère venir en France que je... Voilà. Bon, yeah. Bon, ça, c'est une bonne question. Yeah. Ça va être très long. Og det er et spørgsmål på engelsk. Er der digte, der har haft indflydelse på deres skrift? Og det andet i virkeligheden, hvad er deres yndlingsmusik? Deux questions, en fait. Mm. La poésie et la musique. Ben, disons que la poésie, bon... Enfin, Baudelaire est mon dieu. Hein. Baudelaire est mon dieu. J'essaye que ça se voit dans mes livres. Par exemple, finalement, j'arrive toujours à placer un passage d'un quatrain de Baudelaire dans chacun de mes romans, à un moment donné. Quoi. C'est une constante. Bon, il y a... Mais si vous voulez, j'essaye de payer mes dettes de livre à livre, quoi. Il n'y a pas que Baudelaire, hein. J'ai beaucoup aimé aussi Verlaine, Lamartine. Et Lamartine, j'ai réussi vraiment à en parler hein, dans Sérotonine. Voilà, bon, enfin... Mais j'ai lu beaucoup de poésie, hein. Mais quand même, pour moi, je continue à placer Baudelaire au-dessus de tout. Bon, j'ai beaucoup aimé aussi Novalis et Hölderlin, mais quand même, pour la poésie, la langue compte. Plus, il n'y a pas de doute. Hein. L'influence est quand même plus forte pour les poètes de votre langue. Quoi. Sinon, pour la musique, on arrive assez facilement, finalement, dans un livre, à rendre hommage à d'autres auteurs. À des musiciens, c'est beaucoup plus dur. J'ai quand même réussi à le faire dans Sérotonine en plaçant Child in Time de Deep Purple, qui est vraiment un des plus beaux morceaux que je connaisse. Et sinon, j'ai beaucoup aimé aussi Iggy, c'est vrai, Lou Reed, Black Sabbath, Pink Floyd à un moment donné. Pink Floyd, je suis resté très... C'est beaucoup repris, Pink Floyd, en vieillissant. Ça reste vraiment très bon. Jimi Hendrix aussi, fait plutôt de la musique fin années 60, début années 70, quoi. Il y a quand même une période inouïe dans la musique occidentale entre 65 et 75, quoi. La musique occidentale n'avait jamais été aussi géniale depuis 1830, quoi. Quand même. Donc ça joue un grand rôle dans ma vie esthétique, oui. Mais si vous voulez, ben c'est pas seulement vrai pour la poésie. Hein. Si je faisais un atelier d'écriture créative, ou un truc comme ça, creative writing, je demanderais aux gens d'écouter Childhood Theme de Deep Purple. Est-ce que la méthode est la même, en fait? Bon, il y a des instruments, vous avez des personnages, vous faites monter la tension, monter jusqu'au moment où c'est insoutenable, vous faites un break. Silence, quasi silence, et vous recommencez à faire monter. C'est ça, en fait, le truc. Mm. Et ça, dans Child in Time, c'est magistral. Oui, c'est intéressant. Oui. Ça. Et je crois que ce sera la dernière question parce que le musée va fermer. C'est une assez grande question et c'est en français. Så nu skal vi se her. Kære Monsieur Welbeck, noget jeg holder af i deres bøger, og som især er tydeligt i Sérotonin, er den ironiske distance, som fortælleren har i forhold til sig selv. Jeg spørger mig selv om denne tonalitet, som er overalt i Sérotonin og andre steder, er med til at skabe den succes, som deres bøger har haft i Danmark. Altså selvironien, simpelthen. Selvironien, som muligvis er noget særligt dansk, om den selvironi, som
fortælleren har i romanen, har været med til at skabe succesen i Danmark. Og hvis hans bøger er mindre velmodtagende i andre lande, om det kunne skyldes den her ironi, den ironiske distance eller selvironien? Je vais pas vraiment répondre, hein, parce que ce qui fait le succès de mes livres ou pas dans tel ou tel pays, j'en sais rien, c'est assez mystérieux. Mais l'ironie, par contre, je sais que je fais de l'ironie. Je sais pas si j'ai toujours pas si j'ai raison ou pas, quoi. Il est vrai que certains des auteurs que j'ai le plus intensément aimés, comme Dostoïevski ou Gogol, en font énormément d'ironie. De temps en temps, je me dis que j'exagère un peu avec l'ironie, quoi. Voilà. Donc c'est un truc que je sais très bien faire, mais je trouve que j'abuse un peu de temps en temps. Oui. Que pensez-vous de l'idée de la liberté personnelle ? Est-ce qu'elle nous rend heureux ou nous mène au malheur ? Une question philosophique pour terminer, là, c'est... bon, en fait, ce qui me console, c'est que je ne sais pas si la personne qui pose la question serait meilleure que moi. Oui. Mais je... je ne sais pas, c'est... Mais vous savez, c'est... Bon... Je me suis senti libre à certains moments de ma vie, mais j'ai toujours trouvé bizarre ces moments-là. C'est-à-dire, par exemple, une fois, quand j'ai quitté un concours, je me souviens que je passais quand j'étais étudiant, j'ai quitté l'épreuve et donc j'ai renoncé à cette carrière et j'ai ressenti que je faisais un acte absolument libre, parce qu'insensé, illogique. Mais c'était un acte qui était involontaire. Je n'ai pas pris cette décision. Donc c'est vrai que quand je me sens libre, ce n'est pas quand je fais quelque chose que j'ai décidé de faire moi-même, quoi. C'est quand quelque chose agit en moi que je ne contrôle pas. Donc voilà, c'est pour dire que je crois que le problème est difficile à poser. Enfin, il faudrait faire beaucoup de réflexions préalables avant simplement de l'aborder. Enfin, vous... Je ne sais pas, vous sentez libre quand vous sortez d'un système qui était déjà décidé, mais dans lequel vous ne trouvez pas vraiment votre place. Mais c'est très différent de la rébellion, quoi. La dimension involontaire est importante. Et non raisonnée. Oui. Enfin bon, si j'avais été capable d'écrire un livre de philosophie, je l'aurais déjà fait, quoi. Mais hvis jeg kunne skrive en filosofibog, så havde jeg gjort det allerede. Donc ce sera la dernière et plus facile, on espère. Oui. Bon, deux questions en fait. La dernière, nous avons déjà abordé. Donc on sait le deuxième disque que vous avez acheté, c'était Iggy Pop, mais ici, il y a en fait un lecteur qui vous demande quel était le premier disque que vous avez acheté. Eh bien, il était moins bon. C'était Shaft d'Isaac Hayes. Godt. Den allerførste plade, jeg købte, var ikke nær så god. Det var Isaac Hayes, mais Shaft. Si, mais ça, j'ai déjà fait ça. Mais il faut préciser qu'avant d'acheter des disques, j'ai écouté la radio. Enfin, si on se met à... Yeah. Oui. Bon, merci. Ben voilà, mais oui. Merci. Merci.